Bon, d'accord. Mais t'as quand même, t'as fait des études quand même ou tu t'es arrêté Alors, je suis totalement autodidacte. Et oui. Étant donné que mon père est à Sony Music, on va dire c'est dans les gènes. C'est génome. Ah, ton père est musicien ? Non, mon père, il repérait les artistes africains à Sony Music. Il disait quoi, excuse-moi, j'ai pas compris. Il repérait les artistes africains. Ah, c'est un talent scout. On appelle ça un talent scout. Ok, talent scout. Ouais. Dieu ne sait, je savais pas. Et ouais, donc il repérait uniquement les artistes africains. Ouais, voilà. Et il les faisait signer sur la maison de disques. Oui, c'est ça à Sony Music, exactement. Ouais, et donc un peu. Ouais, j'ai été bercé dans la musique avec plein de CD. Qu'est-ce qu'il écoutait à ton père? Ah, bah, comme moi, on écoute de tout en fait. Hein. Ouais. Vraiment, tous genres musicaux. Ok. Alors, donc, le duo n'existe plus, je suppose. Non. Depuis les 90. Non. C'était quel genre de musique en duo? Bon, là, j'étais encore jeune, j'étais encore sur du rap très enfantin. 12 ans, on va dire, j'avais 12 ans. Ouais. Puis, on te retrouve avec un collectif qui s'appelle Masta Clica. Exactement. Masta Clica. Ah, bah oui, ça existe encore, ça, ou c'est fini? Alors, non.